vous poser des questions par rapport à cela. Et je suis responsable de la médiathèque qui suit ou a donc quelque sorte le travail de Axel Frasch. Là, il voit, il fait un article très magnifique qui était dans un catalogue des expositions, je crois, sur la galerie Amalio, c'est ça. Et je vais vous laisser la parole pour parler du travail de Axel Frasch, parce que vous maîtrisez plus que moi son travail. Et après, on aura la parole à l'artiste. Et merci vraiment d'être là ce soir. Merci à vous. Signal Ibrahim, j'y suis de près à cause de puisque formation qui est également c'est la vie et ce qu'il fait. Et c'est un artiste comme la Signal Ibrahim qui travaille dans la recherche et dans l'évolution. Donc là, il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de son univers artistique. Et puis je tiens à dire de prime abord également, c'est un univers artistique qui est bien soigné, bien conçu, avec une vision bien entendu très intégrée. Que ce soit des formes, au niveau des masses, au niveau de la cristallisation. C'est un univers également, qui ne porte pas les traces de la veuve, donc c'est confirmé, c'est bien conçu. Et puis, je tiens à dire que c'est vrai que le format artistique a adopté c'est l'installation, bien que bon, c'est vrai qu'ici, on a une forme minimal en quelque sorte, parce que généralement dans l'installation vous pouvez trouver de la musique, vous pouvez trouver également sur les ombres. Donc là, au vu des considérations logistiques de notre galerie, donc on s'est contenté de ça, mais ça nous donne déjà une idée sur cet univers qui est fait un certain nombre de dualités. Il y a le côté, il y a l'inertie, il y a l'énergie, donc là vous voyez, donc c'est également un univers qui est fait. C'est pas une théâtralité, il y a des formes humaines. On va voir Rémi Dali, bon, ça c'est une nouveauté, parce qu'auparavant, il y a des formes humaines, on ne sait pas est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes, mais là on voit la distinction. Donc il y a des femmes enceintes avec toutes les connotations, bien sûr, de ces formes, au niveau bien sûr de la littérature, je ne sais pas, une sorte de, qui sont pris en tout cas dans des situations généralement de concurrence. Dans des situations qui nécessitent l'énergie, dans des situations également qui nécessitent une certaine énergie, mais l'énergie peut se transformer bien entendu en énergie. Ce qui est très très intéressant également au niveau de l'univers de Frasch, c'est cette charge culturelle, donc au niveau des références culturelles, donc, que ce soit au niveau de la forme, des formes, c'est-à-dire que ce soit au niveau de certains cubes, que ce soit au niveau également de certains, généralement, c'est pas très déjà, mais bon, de toute façon, il y a un travail énorme, un travail, je dirais, considérable au niveau du graphisme, évidemment. Et ce graphisme, bien entendu, est juste de la calligraphie, ce qui fait en tout cas une référence, bien sûr, à la culture arabo-islamique. Auparavant, il travaillait également sur des formes talismaniques, donc ça peut également. Ça peut également nous renvoyer à des références religieuses. Il y a également cette lecture qui va de pair, bien sûr, avec certaines formes, le A, le mysticisme, la transe, etc. Donc là, c'est un univers qui n'est pas statique, c'est un univers qui est dynamique, donc et qui peut être également sur plusieurs niveaux. Voilà, donc je lui passe la parole. Jamais, bien sûr, il reste tout le problème. Thank you.
plaisir parce que c'est vraiment dur de demander à l'artiste après une longue démarche de recherche.